Bonjour les amis. Vous savez que j'ai été très malade, que j'ai eu un cancer phase terminale et que je m'en suis sorti. Et si je m'en suis sorti, je tiens à le dire, c'est grâce à ça. Grâce à mes appareils photo, grâce à ma passion qui fait que j'ai pu me vider la tête et penser à autre chose. Alors oui, je suis complètement fou puisque je passais mon temps à aller sur eBay, Amazon, etc. et essayer d'acheter les objectifs, les appareils photo qui me tentaient. Alors j'ai par exemple, voyez, tout ceci c'est Canon. Tout ceci aussi, c'est Canon. Alors, il y a le Canon M et les Canon EF. J'ai même certains Canon RF, mais j'ai plus de boîtier. Et j'ai Sony, là en bas, Sony, les Sony E-Mount, avec différents appareils. Aussi bien donc full frame que APS-C. Alors oui les amis, c'est une passion et ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes comme moi, si vous avez une maladie et qui est dite incurable, eh ben c'est pas vrai. Alors il y en a certains comme Kelly Turner qui nous parle de manière autre à dire il faut faire de la méditation, il faut en fait se changer l'esprit, ne pas se ronger, ne pas penser à ça et pourquoi, et c'est injuste, et pourquoi moi, etc., etc. Et donc j'ai su passer outre grâce à ça les amis, grâce à ça. Alors oui, je suis fou parce que à l'époque, j'ai cette passion depuis 50 ans maintenant. Mais avant, quand j'achetais un appareil de photo, avant d'en acheter un autre, vous voyez, ça c'est un de mes premiers, un Nikon F. Nikon F, j'ai dû acheter ça en 1965, et je vais avoir 70 ans, donc le 15 janvier. On peut vaincre la maladie, et pour cela, ayez une passion, changez-vous les idées, dites-vous que vous pouvez survivre. Si vous mettez ça dans la tête, eh ben, vous survivrez. Lisez les 9 clés de la rémission de Kelly Turner. Vous pouvez voir aussi mes vidéos à ce sujet. Merci les amis. Très très bonne journée. Au revoir.